Salut YouTube. Aujourd'hui, comment? On va fendre. Et on va fendre du chêne. Chêne, c'est de la merde. C'est fibreux, c'est compliqué à fendre. Enfin, bref, c'est une galère quoi. Alors juste quand même, petit conseil. On va essayer de s'économiser un peu de boulot. Ici là, il y a une fente naturelle. Chêne là quand il a dû tomber. Bon, on va commencer par refaire cette partie là, on va essayer de cogner au marlin dans le sens de cette fente. Et après je recouperai bien sûr encore en deux, donc ça fera quatre morceaux. Voilà, on va essayer de faire ça, je vous montre. Dessus, je vais me la écarter un peu plus. Bon, il y a deux solutions ensuite. Le coin va me permettre de l'écarter un peu. Autrement, marlin. Donc la deuxième partie, j'essaie de le cogner là pour l'éclater. Pour celui-là. C'est de la fibre. Pour ça que c'est chiant le chêne. Très fibreux. Au même endroit, sur la fente. C'est normal, ici il y avait une branche, ça crée un nœud, ça crée de résistance. Ah, il y a de la fibre partout. Ben, il y en a encore quelques-uns.
vous allez me dire pourquoi est-ce que je fends par terre et pas debout. Ben voilà pourquoi, parce que souvent ils sont coupés en biais. Celui-là il va être chaud parce qu'en plus il y a une branche là. Mon avantage c'est que celui-là la branche elle est déjà un peu fêlée. Je vais essayer de le couper là, enfin de le fendre là. Pourquoi je prends pas debout? Ben voilà, le bestiau il est pas très haut, hein, 1m73 seulement, c'est plus compliqué. Bon allez, on va s'attaquer aux autres. Les gros bestiaux, coupé en biais. Bon, c'est pas moi qui ai fait ça, je vous rassure. Hein. J'essaie de les couper droit, mais c'est des têtes de chêne qui ont été laissées par les pros. Sans merde de poids, ils s'en foutent. Hein. La preuve, là, c'est coupé. Bien coupé en biais. Il va falloir que je le coupe ici. Là. Le petit bout, ben, je le ferai. Ouais, là, ça va être chaud. Celui-là, ça va être du nœud, du nœud, du nœud. Pas mieux. Mais bon, faut bien les faire. Voilà ce que ça donne. Fibre, fibre. Que je t'aime pas. Bon. On va arrêter pour aujourd'hui. J'en ai marre. Je suis cuit, il est 13h. Là depuis 8h, il me restera ça à faire la prochaine fois. Les gros, comment fendre, enfin voilà. Allez, bye bye.